Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission Sport Chrono. Vous voyez que la cravate est de sortie ce soir, elle vient un petit peu symboliser le bon comportement des équipes et des clubs dromardéchois ce week-end. Nous avons effectivement en plus de cela des finales qui vont se jouer notamment en rugby et les caméras de Dromardèche Télévision étaient présents notamment à la Véor et nous y reviendrons. Nous avons aussi bien des clubs qui se sont maintenus, on parlait déjà de Saint-Vallier Basket en Pro B le week-end dernier pardon, se maintiennent pour la saison prochaine, pardon. Et nous avons aussi en pro des deux en handball, les Valentinois, qui s'est maintenu grâce à sa victoire contre Besançon, nous y reviendrons. Et évidemment, il faut féliciter les filles du Poussin qui retourneront l'année prochaine en National 1. Donc de bien bon augure donc pour la suite des événements sportifs. Voilà, donc on n'a pas parlé de football, mais en football, nos clubs Dromois et Ardéchois se sont bien comportés et nous allons effectivement commencer l'émission en parlant de l'AS Valence qui s'est brillamment imposé. Bon, non, sans difficulté, on va pas schématiser ce résumé en indiquant que ce fut facile pour l'AS Valence. Ça a été compliqué, mais ça a été quand même une très très jolie partie. Donc les hommes de Frédéric Pont se sont imposés sur le score de 3-1, avec des buts à la 13e minute de Bamba, Ramos à la 82e et Chergui qui vient effectivement ajouter le troisième but à la 92e minute. À noter l'égalisation effectivement paloise à la 70e minute, d'un superbe but, une reprise du pied gauche de Hicham Mlab. Et effectivement, il faut bien noter l'excellente prestation du gardien et du portier valentinois, Johan Lapert, qui effectivement a pu sauver à plusieurs reprises la baraque, on le dit comme ça maintenant, pour permettre effectivement aux valentinois de remporter la partie. Monsieur Oneng, l'arbitre officiel de la rencontre, a exclu à la 83e minute deux joueurs, un du côté de Valence qui et Boudjedra, et l'autre effectivement Jamel Mlab, qui après effectivement s'être querellé ont été calmés, sortis donc par monsieur l'arbitre. Valence est actuellement 7e, n'a pas gagné de place, n'en a pas perdu non plus. Ce qu'on peut dire, c'est que la zone de relégation se dresse derrière eux et non plus au-devant d'eux. Donc 70 points ce soir. Le premier reste Colomiers, qui lui, effectivement, après sa victoire sur Marignane samedi soir, a 85 points. En honneur pour la 23e journée de championnat, Rhône Vallée a battu Vénissieux Minguette sur le score de 1-0. Rhône Vallée est actuellement 6e, Vénissieux Minguette, donc c'est l'équipe B bien évidemment, et vous l'aurez compris, est 12e. L'US Montélimar, quant à lui, a battu le FC Limonest, ce qui est une bonne prestation pour les Montiliens, puisque ils sont actuellement 10e et le FC Limonest est actuellement 4e, qui a perdu quelques places, Limonest. Hein. En poule A, en honneur régional, on va parler effectivement du FC Annonay, qui a été battu par le Grenoble Foot 38 sur le score de 1-0. Il s'agissait aussi évidemment de l'équipe B. L'Insud Foot qui a battu le SC Cruas sur le score de 3-1. Le SC Cruas est 10e et l'Insud Foot est 7e. Et nous avons le Valence FC qui a encore pris une bonne valise contre le FC Villefranche, donc l'équipe B sur son terrain, sur le score de 7-0. En poussé, Chavanet a battu Vaux-en-Velin sur le score de 2-1 et a permis justement de dépasser Vaux-en-Velin puisque Chavanet est actuellement second. C'est une bonne prestation et le FC Vaux-en-Velin, quant à lui, après sa défaite à Chavanet, a perdu quelques places et se retrouve désormais 4e. Saint-Julien-en-Genevois a été largement battu par l'équipe de l'US Pont-la-Roche sur le score de 4-0.
L'Espont-la-Roche est actuellement 9e et Saint-Julien-en-Genevois est 17e. En balle, alors je vous l'annonçais tout à l'heure, Valence a battu Besançon sur le score de 28 à 22. Alors c'était une belle victoire, hein, obtenue sur son parquet du Palais Omnisport de Pierre Mendès France à Brifou. Vous connaissez effectivement cet espace maintenant. Et les hommes de Milorad Davidovic se maintiennent sportivement en Pro D2, comme je vous l'annonçais en début d'émission. Et nous retrouverons donc le Valence Handball l'année prochaine en Pro D2. En National 1 masculine, en Poule 2, et à l'occasion de la 23e journée du championnat, le GUC Grenoble a fait match nul avec Montélimar Cruas en balle. Montélimar Cruas est actuellement 13e, quant à Grenoble, lui, il est 10e. En National 1 féminine, en Poule 2, et à l'occasion de la 20e journée du championnat, Drôme en balle, Bourg de Péage a fait match nul également contre la Mode Servolex, vous le voyez en bas, sur le score de 32 partout. Et en National 2 masculine, en Poule 4, et là, à l'occasion de la 23e journée de championnat, Renerieux a été battu par le HB3M sur le score de 26 à 32. Renerieux est actuellement 14e et le handball 3M est actuellement 12e. En National 2 féminine, donc chapeau, hein, en Poule 4, 20e journée, chapeau à nos handballeuses du Cousin qui se sont brillamment imposées sur le parquet de Toulon, Toulon Saint-Cyr, puisqu'elles ont remporté le match sur le score de, tenez-vous bien, 31 à 23 à l'extérieur. C'est une excellente prestation. Bravo à nos féminines du Pouzin. Elles seront donc l'année prochaine en National 1, puisqu'elles l'ont quitté l'année dernière pour monter en National 2 et vite regrappiller les points pour se permettre et s'autoriser de revenir en National 1. Donc félicitations aux Reds, comme on les appelle dans le sud Ardèche maintenant, qui sont donc promus. En National 3 masculine, dans le cadre de la poule 7 et dans le cadre de la 23e journée, la Hellobière Handball a été battue par le Valence Handball groupe B, l'équipe B pardon, sur le score de 18 à 34. En National 3 féminine, poule 5, et à l'occasion de la 20e journée, le Handball Teioua a battu largement l'Anjac sur le score de 36 à 27. Le Teille est actuellement 4e, l'Anjac lui est 12e. Et l'AS Auxois a joué cette semaine, samedi soir, sur son parquet et a reçu le handball étoile Beauvallon. Et il y a eu également un match nul, puisque les deux équipes se sont sont reparties avec le score de 25 partout. Auxois est actuellement 9e, quant à Étoile Beauvallon, lui, il est 7e. En rugby, il y a eu un match très 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 intéressant contre Saint-Nazaire. Il s'agissait effectivement de l'USRP à l'occasion des 8e de finale aller. Hein. L'USRP a battu d'extrême justesse le Sporting Nazarien rugby, donc je vous l'ai dit, hein, sur le score de 27 à 25. Ce fut vraiment dur puisque les Romanais ont mené sur l'ensemble de la première mi-temps grâce notamment à des pénalités réussies par Janisson, qui a, à mon avis, bien assuré, il a permis aux Romanais de rester en tête sur la première mi-temps. Après, c'est un petit peu parti en déconfiture, puisque les Nazariens se sont rebellés en seconde mi-temps, ont été bien remontés par l'entraîneur se sont autorisés effectivement à marquer deux essais qui leur ont permis de reprendre un petit peu l'avantage. Et c'est en toute fin de partie, donc effectivement, que Saint-Nazaire menait 25 à 24, Janisson a botté et donc a permis au ballon de passer entre les deux poteaux et de remporter ce match 27 à 25. Ça va être très très difficile pour nos amis de l'USRP pour le match retour à Saint-Nazaire. On y croit bien évidemment, on les supporte et sachez que Drôme Ardèche Télévision est avec vous
Et toute l'équipe de Sport Chrono vous accompagne pour ce magistral match qui se prépare là-bas du côté de la Loire Atlantique. En Fédéral 2, en phase finale pour les 16e de finale aller, l'AS Bédaride a été battue sur son terrain par le ROC sur le score de 7-16. Alors c'est une bonne chose puisque effectivement Bédaride n'avait pas perdu sur son terrain pour l'instant depuis le début du championnat. Il a fallu que le ROC se déplace pour aller effectivement enquiller cette magistrale victoire. Donc il va falloir être costaud match retour puisque à la Voulte ils recevront l'Europe recevra Bédaride, pardon, et en espérant voilà que le score sera maintenu et qu'ils gagneront et qu'ils conserveront cette avance pour se qualifier pour les 8e de finale. En Fédéral 3, en 32e de finale aller, Annonay a battu tranquillement, on va le dire comme ça, le club de Châteauroux sur le score de 32-9. Voilà, donc je vous l'annonçais tout à l'heure, il y avait les demi-finales honneur, les matchs retour des demi-finales honneur. Nous avions et nous étions la semaine dernière, les caméras de Dromardèche Télévision étaient présents au stade des Meux et nous avons assisté à une petite victoire 16-10 du Teil face de ME face au Teil. Et cette semaine donc ME se déplaçait, je vais y arriver, au Teil, et ils ont perdu d'un petit point 19 à 18, pardon, excusez-moi. Nous avons recueilli, alors ce qui permet, je vais quand même le dire, ce qui permet effectivement à ME de se qualifier, parce que du coup ils conservaient 5 points d'avance, on va le dire comme ça. Et juste après le match, nous avons, en tous les cas, je me suis permis d'appeler Martial Locatelli, le président du club des Meux, pour recueillir un petit peu ces informations. Je vous propose de l'écouter maintenant. Allô ? Oui, Martial ? Oui ? C'est Roger Daniel à l'appareil, Dromardèche Télévision, bonjour. Oui, bonjour, ça va ? Bonne journée d'ailleurs. Bah écoute, ça va bien. Ça va bien. Je pense que je te téléphone pour déjà vous féliciter. Bah tu vois, du coup, tu veux nous suivre jusqu'au bout, hein. Il va falloir. J'entends que vous faites la fête derrière là. Ouais, bah là tu vois, on est en réception là. D'accord, donc vous avez. Vous avez passé là-bas la VOR, quoi ? Oui, ça s'est bien passé. La VOR s'est qualifiée, hein, sans problème. Mais vous, donc, vous avez perdu d'un petit point, alors ? Nous, on a perdu 19-18, et du coup, on est quand même qualifié. Ouais, c'est ça, puisque vous avez gagné 16-10 à l'aller, donc vous aviez 5-6 points, vous avez encore 5 points d'avance, du coup. Voilà, donc, tout à fait. D'accord. Et vous avez eu du beau temps, ou vous avez eu le terrain était gras ou? Non, le terrain est super bien. Le terrain en paye super bien. D'accord. Et le terrain nickel, eux ils ont marqué un essai transformé plus 4 pénalités. Ouais. Et nous on a passé 5 pénalités et un drop. D'accord, vous avez assuré juste avec des pénalités, alors vous n'avez pas marqué d'essai. On n'a pas marqué d'essai. D'accord. Par contre, après, on a passé les 15 dernières minutes du match arc-bouté sur notre ligne, il n'y a pas parlé d'essai. D'accord. Et d'Ivoire, les pénalités, c'est Cyril Riffard qui les a réussi. Ouais, 5 pénalités de Cyril Riffard et un drop de Philippe Couillon. Et avec combien de pourcentage de réussite il a eu, Riffard? Il a raté 5, il en a réussi 5, il en a raté 3. D'accord, ouais, donc ça fait pas mal le pourcentage de réussite, ça c'est intéressant. Donc c'est de bon augure pour samedi. Alors là, bon, je te le dis, Martial, tu es en direct là sur la chaîne Dromardèche Télévision. Ouais. Voilà, j'espère qu'en tous les cas vous allez arriver en force samedi pour tenter de remporter la finale, quoi. Hein. Ah bah là,
c'est clair que là maintenant il va pas pouvoir tirer les perles, hein, donc on y va, c'est pour la gagner. Bon. On est parti, ceux qui disent qu'on veut pas monter, ben on verra bien. Ok, bon, écoute Martial, je vais te laisser continuer là cette petite fête. Que vous êtes toujours au Teil là, ou vous êtes rentré à Emeu? On est rentré. D'accord. Bon, mais je vais te laisser festoyer avec l'ensemble des collègues là, et puis on se retrouvera samedi du coup. Rendez-vous samedi avec plaisir. Ok Martial. Allez, bonne soirée à vous tous et puis encore une fois félicitations. Merci, ciao. Ciao. Voilà, donc Martial Locatelli que nous retrouverons samedi prochain probablement au même titre que Michel Courcial de la DEOR, donc le président que nous avons également interviewé, on le verra tout à l'heure. Mais effectivement, l'Union sportive de la VEOR a battu Guirengrange sur le score de 18-6. Les caméras de Dromard et Télévision étaient présents. L'équipe de Sport Chrono était présente également. Et effectivement, nous vous présenterons le match. Nous allons diffuser effectivement le match dans son intégralité, puisque nous sommes autorisés effectivement à retransmettre Emeu la semaine dernière. Voilà un petit peu de bonne augure pour la VEOR et pour Guirand, qui pourront aussi se voir sur le terrain, dans le petit écran, dans votre petit écran, sur www.dromardèche.tv. Voilà. Donc avant le match, nous avons assisté au TOS et donc avons enregistré les deux capitaines. Je vous propose de les regarder et de voir un petit peu comment ça s'est joué. Allez, c'est parti, alors on est en sérieux malgré tout. Donc vous pouvez avoir le numéro 8, 8 et votre nom. Chalia, C-H-A-L-E. A-T. Numéro 7. 7, c'est votre nom. Jacques, comme votre prénom. Allez, c'est vous qui vous déplacez, donc je faisais soit pile 1, soit face. Et on prendra face. Allez, jetez la pièce. Donc c'est 1, donc c'est pile, donc c'est VEOR qui choisit. Coup d'envoi. Vous avez des questions? Non. C'est bon, c'est deux juges de touche officielles, donc des repères hein, sur les mêlées, sur les pénalités. Pas bon match. Bon match. Bon match. Bon match. Bon match. Bon match. Benjamin, bonjour. Ça y est, c'est le match retour. Ça y est, le match retour, ouais. Donc 3 points de retard, il va falloir remonter, c'est ça? C'est ça, gagner de plus de 3 points. Et bon, moi, pour moi, on part à 0-0. Hein. 3 points, c'est rien. On sait ce que c'est au rugby, hein, une pénalité. Ça se joue à rien du tout. Donc aujourd'hui, c'est celui qui marque, à mon avis, qui marque un essai, qui aura vraiment l'avantage. Hein. Alors quel est l'état d'esprit là maintenant, là, que vous ressentez vous et l'équipe? Bah, l'équipe, nous on sort d'une saison un peu difficile, au cas contraire de VEOR. Et aujourd'hui nous c'est que du plus, donc on vient là sans pression. Moi j'espère que c'est eux qui l'ont la pression, parce que nous on vient là c'est pour se faire plaisir et pour gagner. Donc l'année passée on les a accrochés, cette année j'espère aussi. Bon après chacun a sa chance, donc c'est un club que j'aime rencontrer, donc je pense que ce sera un beau match cet après-midi. On fera une belle partie. Et ben, en tous les cas, c'est tout le mal qu'on vous souhaite. Donc bonne chance Benjamin et à l'ensemble de l'équipe de Guirand alors. Hein. Merci beaucoup et bonne journée. Voilà Marco, pour Dromard de la Télévision, on souhaitait un petit peu recueillir ton sentiment par rapport au début de. Par rapport à cette rencontre en fait. Comment vous la sentez, toi et les joueurs? Bah, par rapport à la prestation du match aller, on se doit de faire mieux. Même si, par rapport au ressenti intérieur sur le terrain, on a manqué de finition, donc je pense qu'on avait la possibilité d'avoir un écart plus conséquent. Donc on se laisse un peu de pression sur les épaules pour ce match-là. Et du coup, ben, la préparation est différente. Si le score avait été un peu plus large, on aurait peut-être pu faire autrement. Et là, on a un peu plus de pression. Donc du coup, ben, il faudra pas se rater cet après-midi. Quoi. Là, c'est vous allez jouer comme si il y avait 0-0, ou vous partez quand même psychologiquement avec cette avance qui semble quand même un peu réduite pour le coup? Ah non, mais c'est clair que c'est 0-0. De toute façon, 3 points, il n'y a pas assez d'écart pour...
pour se permettre quoi que ce soit. Et donc c'est 0-0 et c'est 50-50, tout le monde a ses chances de passer, donc voilà. On verra par la suite comment ça va se dérouler. Bon, en tous les cas, on vous souhaite bonne chance pour cet après-midi. Merci bien. Voilà, donc comme je vous l'indiquais, effectivement, après avoir vu Marc Chalaé et Benjamin Jacques pour Guirand, nous avons effectivement aussi recueilli les commentaires de Didier Georges et de Michel Courtial. Je rappelle que Didier Georges est le président de Guirand Grange et Michel Courtial, celui de la Véor. A tout de suite. Qu'est-ce qu'on ressent dans ces moments-là finalement? Pompidou, c'était à un match presque, et là, ma foi, on rentre un peu à la maison, bredouille. On rentre bredouille, mais on est quand même fier du match qu'on a produit, du jeu qu'on a produit. On tient aussi à féliciter la Véor qui a, sur les deux matchs, produit deux beaux matchs. Je pense que c'était équilibré. On s'est fait petit à petit un peu déborder par leur buteur qui a fait ça, un très beau match, qui a fait un 100% au pied. Donc nous, on est quand même fiers d'avoir pu faire cette demi-finale. Au mois de décembre, on était un peu au fond du trou, on était quasiment relégable. On a remonté la pente en début d'année. Donc moi, personnellement, je suis très très fier de mes joueurs. Et je suis très très fier de ce qu'ils ont produit aujourd'hui et puis hier pour l'AB aussi également. Donc on fait une belle fin de saison. On aurait bien aimé évidemment aller à Pompidou, c'est évident. Mais on est fiers de nous et on reviendra l'année prochaine et on espère bien y aller l'année prochaine à Pompidou. Qu'est-ce qu'il a manqué finalement pour ce match au fond ? C'est assez dur à dire, à chaud comme ça, c'est dur de garder l'esprit, la tête froide. On a l'impression que tout le long on aurait pu passer, on n'a pas... Nous, notre jeu, c'est plutôt un jeu de trois quarts, on n'a pas su derrière mettre le feu peut-être au bon moment. Ils ont creusé petit à petit l'écart, on a raté quelques points au pied qui nous auraient sûrement fait du bien, mais encore une fois, ils étaient, je pense, supérieurs à nous et ils méritent leur victoire quoi, sur ces deux matchs. Bien, ben, merci en tous les cas et peut-être probablement l'année prochaine. J'espère, merci beaucoup. Bon. Michel, bon, alors, ça y est, c'est fait, c'est la finale. Ah oui, et oui, c'est la finale. C'est la finale et il semblerait quand même que sur le vu de la saison, c'est une juste récompense, quoi. Et la récompense, elle me fait d'autant plus plaisir qu'elle vient à la suite de la victoire de l'équipe réserve hier. Ce qui veut dire donc, c'est bien ce que j'avais vu, c'est on a un groupe formidable cette année, aussi bien en première qu'en réserve. Un groupe senior d'enfer. Par contre, je tire mon chapeau à Guirand parce que c'est une équipe qui envoie du jeu. Et par rapport à son début de saison, elle n'était pas à sa place. Là, je crois que cette fois-ci, elle y est. Alors, bon, moi, j'ai regardé le match comme tout le monde ici. J'ai trouvé que la défense de la Véor, c'était imparable. On ne pouvait pas dépasser, on pouvait pas passer là. Hein, c'est pas possible. Je crois que oui. Il y a eu beaucoup de cœur, beaucoup d'envie. Et bon, quand il y a du cœur et de l'envie, on voit comment ça se passe. Hein. Et la défense, c'est peut-être... C'est peut-être la chose la plus facile au rugby. Hein. Par contre, quand on tombe sur une équipe joueuse, c'est vrai qu'il faut savoir se sacrifier, et c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Voilà. Voilà. Alors, je parlais de la défense de la Véor, mais on vous l'avait souligné tout à l'heure par rapport à Guirand, ils avaient aussi une excellente défense. La preuve, c'est qu'aucun essai n'a été marqué. Hein. Mais par contre, chapeau aux buteurs, je ne sais pas comment il faut les appeler exactement, mais en tous les cas, ils ont été vraiment de la partie les deux là. Hein. Oui. Oui. Les buteurs ont été à l'heure. La défense, c'est vrai que celle de Guirand, elle est pas mal non plus. La preuve, comme tu le dis si bien, il n'y a pas d'essai au bout. Hein, donc, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas eu de spectacle. Je suis satisfait, moi, de la prestation de mes bons hommes. Et je dis encore une fois, je tiens à remercier le RC Guirand Grange qui, sur les deux matchs, n'a pas du tout démérité. Bon, alors, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la semaine prochaine, pour cette finale à 20h, hein, qui, je le rappelle aux téléspectateurs de Romardèche Télévision, se joue à 20h au stade Pompidou. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, soit contre l'équipe du Teille, soit contre l'équipe de IME, au fond? Et c'est contre l'équipe d'IME. Alors, voilà, ils se sont qualifiés, on l'a en direct, effectivement. Oui, le résultat de la rencontre, c'est le Teille 19 et Me 18.
Et comme au match aller, le Thaï avait gagné, non pardon, ME avait gagné 16 à 10, ben c'est ME qui se qualifie pour la finale. Ouais, c'est super. Bon, ben pour nous, on va rencontrer des vieilles connaissances. Hein. Je crois qu'il va falloir être à 200% jusqu'au bout, jusqu'à samedi soir, 21h30. Voilà. En tous les cas, merci pour cet entretien et puis on vous souhaite bonne chance pour la suite. Alors du coup, Michel. Merci beaucoup, merci à vous et continuez votre travail, c'est intéressant pour des clubs comme les nôtres. Voilà, donc après l'interview de Didier Georges et de Michel Courcial, on a pu effectivement observer la déception de Didier Georges et la joie mesurée de Michel Courcial durant la réception. Donc nous retrouverons alors voilà Michel Courcial la semaine prochaine, ainsi que comme je le disais tout à l'heure, Martial Locatelli, donc le président d'ME, où Drôme Ardèche Télévision sera présent pour filmer la finale. Et nous espérons bien que ce soit une bonne partie que se livreront donc les deux équipes, donc finalistes. Je rappelle que la finale se jouera à 20h au stade Georges Pompidou. Et nous reviendrons effectivement sur la réunion au comité Drôme Ardèche de rugby pour laquelle j'ai assisté en fin d'émission. Voilà. En basket, en Pro B, voilà, donc je vous annonçais le maintien de l'équipe de Saint-Vallier qui s'est malheureusement inclinée sur le parquet d'Evreux. Evreux qui est deuxième quand même hein, du championnat sur le score de 87 à 62. On va dire que c'est pas trop grave. On espère tout simplement que l'année prochaine, le club de Saint-Vallier arrivera sous d'autres dispositions avec peut-être une motivation qui leur permettra, pourquoi pas, de se placer dans les 5 ou 6 premiers plutôt que vers la fin du classement. En National 2 masculine, il y avait également un match, deux matchs, puisque à l'occasion de la 25e journée du championnat, Aubena Basket a battu Terre Froide sur le score de 101 à 69. L'US Aubena Basket est actuellement 3e, ce qui est de bonne augure aussi, et Terre Froide actuellement 12e. Prissé Macon, a battu Nord Ardèche sur le score de 84 à 59. Nord Ardèche qui occupe la 9e place, tandis que Prissé Macon occupe la place juste devant, à la 8e place. Voilà, en volleyball, il y avait une 18e et dernière journée en National 2 féminine. Le volleyball romanais s'est incliné sur son parquet face à Nîmes sur le score de 3-7 à 1. Et en National 3 féminine, pour la 18e et dernière journée également, le Crès volley a battu la Motte volley sur le score de 3-7 à 0. La Motte est finie et termine 7e du championnat. Le Crès volley, lui, est 8e. Voilà, en football américain. Alors, football américain, je vous annonçais effectivement, et vous l'avez vu, vous vous souvenez du reportage que j'avais fait, que les caméras de Drôme Ardèche Télévision, en tous les cas, que l'équipe de Sport Chrono s'est autorisée effectivement à tourner. Donc, au stade Georges Pompidou, sur les terrains annexes, on avait rencontré Michael Adrien, qui est le jeune président du club des Sharks de Valence. Donc. Et je vous avais annoncé que probablement nous serions présents sur le match qui les opposait aux Falcons, donc de Bron, dimanche dernier. Et pour la raison qui a été que nous sommes rendus sur les demi-finales au Stade Coulot pour assister au match Laveur contre Quillan-Grange, nous n'avons pas pu être présents également sur le terrain annexe du stade Georges Pompidou. Donc on a promis effectivement à Michael Adrien d'être présent le 5 mai, pour assister au match contre les Avalanches. Cela dit, ils ont quand même joué, même si les caméras de Drôme Ardèche Télévision n'étaient pas présents. Les Sharks de Valence se sont imposés face aux Falcons de Bron et pour la petite histoire, ils ont quand même battu les Falcons de Bron sur le score de 84 à 0, ce qui est énorme. C'est-à-dire que quand les Sharks de Valence partent, on ne les arrête plus. Voilà, les Sharks de Valence du coup s'assurent de la première finale et accueilleront les finales régionales. Voilà, donc je rappelle, les caméras de Drôme Ardèche Télévision seront présentes contre les Avalanches d'Annecy, ce qui est quand même relativement intéressant, je le rappelle, puisque c'est la seule équipe
qui a battu les Sharks de Valence cette année. Voilà, avant de nous quitter, je vous annonce que donc nous retransmettrons le match retour honneur de dimanche dernier, la Véor contre Guillemont-Grange, donc mercredi soir, donc à 20h. Alors probablement, pour des raisons techniques, on ne sait pas exactement si cette finale se déroulera après l'émission de Sport Chrono ou alors mercredi à 20h. En tous les cas, voilà, ce qui est sûr, c'est que cette demi-finale sera retransmise sur votre écran à partir de 20h mercredi prochain. Et je vous l'annonçais aussi il y a quelques minutes, samedi prochain, donc les caméras de Dromardèche Télévision seront présents à partir de 11h au stade Georges Pompidou pour alors la réunion de 11h, mais surtout pour assister à l'ensemble des finales. Nous tenterons de faire un petit résumé de ce qui se sera joué l'après-midi, mais également pour filmer et retransmettre à vous, chers téléspectateurs, donc la finale de rugby qui va opposer Émeux donc à l'Avéor samedi soir à 20h. Donc venez nombreux parce qu'il va y avoir une chouette fête, c'est vraiment la fête du rugby et c'est vraiment le temps où il fait bon effectivement de se rendre dans un stade. Donc pour cela, je me suis rendu jeudi dernier, j'ai assisté, vous voyez quelques images, j'ai assisté à une réunion du comité Dromardèche de rugby où était présent donc Jean-Marc Patouillard, qui est le président du comité territorial, ainsi que Robert Esbraya, qui est le responsable de l'organisation des finales, que je salue au passage, qui m'ont reçu vraiment de manière très chaleureuse et je les en remercie. Donc il a été évoqué sur cette réunion la question de la sécurité, la question de l'organisation aussi en lien avec les ramasseurs de balles. Chaque club va proposer des jeunes de moins de 15 ans pour effectivement assurer la prise des ballons tout autour du stade durant toutes les rencontres, ce qui est très intéressant. Également, l'entrée au stade coûtera 5 euros, donc une grande partie des fonds seront reversés au centre Lyon-Bérard. Donc il faut savoir que le centre Lyon-Bérard accueille des enfants qui sont victimes de cancers divers, ainsi qu'à l'association de la Fondation Ferras. Donc la Fondation Ferras, si vous ne savez pas ce que c'est, chers téléspectateurs, c'est une fondation qui permet d'aider les grands blessés du monde du rugby. Voilà, donc une grande participation, une grande partie des fonds seront reversés à ces deux associations. La remise des boucliers se fera aussi après 22h, après la finale d'honneur. Donc c'est une remise des boucliers qui sera faite et qui sera donnée à chaque vainqueur des petites finales qui se joueront juste avant. Enfin, il y avait du karting, alors en Jeuglin, puisque se déroulait samedi, alors jeudi, vendredi pour des essais libres, samedi, dimanche, la Coupe de France de karting, qui a vu remporter donc en finale nationale Anthony Fautia, qui arrive avec, premier évidemment, avec plus de 3 secondes d'avance sur son concurrent direct, pardon. En 425, Nolan Mantione finit lui premier, et en 425, Gentleman, c'est Ludovic Betts qui termine sur la première marche. Lors du prochain numéro de Sport Chrono, il vous sera proposé un large résumé de ces 3 finales que Jérôme est allé effectivement filmer au karting club de La Roche-de-Glun. En attendant, je vous souhaite une excellente fin de soirée et vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Sport Chrono. À bientôt, bye bye.